c'est un coucou très très rapide parce que il est 22h15, on est dimanche soir, dimanche 25. Je sais même pas si j'ai introduit ce vlog autrement que avec mes images de tri et de rangement de ma penderie. Si c'est pas le cas, bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère vous emmener dans les préparatifs, la fin des préparatifs parce que là on est à moins de 7 jours du mariage. Et vous parler, comme d'hab, un peu de mes lectures. J'ai terminé Soroland ce matin et Mélo est venu cet après-midi et on vous a tourné deux vidéos, notamment la pause question. Ça me fait rire. La fameuse pause question qu'on vous a annoncée l'année dernière et pour laquelle on vous avait posé des questions sur Insta et on avait vos remarques et tout. Voilà, ça y est, on l'a retourné parce que pour être tout à fait exact, on l'avait déjà tourné. Et du coup, on vous a aussi fait la comparaison sur Soroland qui devrait, elle, pour le coup, sortir assez rapidement. J'ai terminé Soroland le lendemain. Non, du coup, deux jours après le Sweetie Gourmet Challenge. Donc je considère que je l'ai validé, voilà, hein, parce qu'il faut être un peu large aussi parfois avec soi-même. Si je m'étais débrouillée un tout petit peu autrement, j'avais fait Vita Nostra d'abord, enfin Soroland d'abord, Vita Nostra après, je m'en serais sortie et tout serait rentré dans le bon ordre, dans les bons challenges, donc voilà, on va dire que c'est validé. Je vous ferai du coup, enfin pas une vidéo bilan, mais il me reste un point lecture à vous faire et quand je vois tout ce qui s'accumule ça me fait peur. Je devais faire ça aujourd'hui, je vais essayer de le faire demain, comme ça je serai débarrassée avant de partir au Pérou et la vidéo sera prête à être postée. J'ai ensuite passé ma fin d'après-midi à lire Le Printemps de Sakura. Je crois que Mélo vous en a déjà parlé, je ne sais pas. Je suis pas sûre qu'on fasse une présentation parce que c'est un graphique très très court, mais les planches sont d'une beauté. Voilà, c'est très très beau. C'est pas exactement... Enfin, c'était ce à quoi je m'attendais, mais je m'attendais à peut-être un peu plus de développement sur certains aspects. Mais je vous en parlerai du coup dans une autre présentation, sauf si on fait une comparaison avec Mélo. Et donc du coup, ma prochaine lecture, que j'espère terminer dans les 5 prochains jours, ce sera Le Combat de l'Épouvanteur. Comme ça, ça me fait avancer dans mes lectures. C'est une lecture simple, sympa, doudou, écrit gros. Elle fait moins de 400 pages et ça me permet de rentrer un nouveau livre dans le thème du mois de septembre pour le challenge SFFF puisque je pensais le mettre dans la catégorie présence d'un mentor, je crois. Ce qui rentre tout à fait dans le thème, on est d'accord. Et puis en plus c'est l'automne, voilà, lecture doudou, tout ça. Je suis très contente d'être tombée dessus, je l'ai vu dans la pile à lire. Je me dis ah bah tiens, tiens ouais ce serait pas mal. Et puis après je pourrais enfin le ranger ici et puis poursuivre dans la saga parce qu'ils sont tous là. Pour tout vous dire, je ne sais plus auquel je me suis arrêtée. Je sais pas si c'était le 6, peut-être, éventuellement. Bref, voilà, c'était l'intro, ou pas l'intro, je ne sais pas, de ce vlog. J'essaye de vous reprendre plusieurs fois cette semaine. J'aurai normalement des petites choses à vous montrer, j'espère, au moins un truc mardi soir parce qu'on va on sort et ça va être un peu cool. En tout cas moi je kiffe donc je vous montrerai, mais à part ça on verra, hein. Allez, sur ce je vous laisse pour l'instant et puis je vous dis bah, je sais pas quand, très très vite. Chess, qu'est-ce que tu fais là? Chester, mais Chester. Hey.
Hello, je vous retrouve, on est mercredi 28 septembre, j'ai été récupérer aujourd'hui toutes ces petites succulentes. Alors là, vous en voyez qu'une, mais en fait, il y a trois autres petites palettes comme ça, j'en ai 80 en tout. Et l'objectif pour, bah, du coup, pour samedi, ça va être de toutes les faire tenir droites. Ça a l'air d'aller. Toutes les faire tenir droite et mettre un petit ruban avec le nom des personnes, puisqu'il s'agit de mes petits cadeaux. Je n'aime pas les dragées, mais j'adore les plantes vertes, donc ce sont des plantes vertes avec le nom pour faire à la fois petit cadeau et marque-place. Voilà. Donc on va s'occuper de ça, je pense. Je voulais faire ça ce soir en regardant la grande librairie, mais finalement on a décidé enfin de travailler sur notre danse d'ouverture de bal. On est parti de zéro et honnêtement c'est juste incroyable ce qu'on réussit à faire. Alors c'est pas ouf hein, mais sachant qu'on part de très très loin, c'est bien. Mais du coup je me suis absolument pas occupée de ça et il faut s'occuper de ça très très vite. Voilà pour le côté préparatif mariage, sachant que ça y est, le stress commence à monter. Et niveau lecture, j'ai avancé dans Le combat de l'épouvanteur, je suis page 121. Probabilité que je le finisse avant le 1er octobre, du coup très faible. Je vais essayer peut-être, je sais pas pourquoi je dis ça, peut-être je vais lire un petit peu ce soir. On va tenter le truc. Vous l'avez vu, je vous ai mis quelques images de notre sortie d'hier, puisque on a été voir un match de basket du SLUC Nancy Basket, qui est remonté en Pro A cette année. C'était un match très sympa, très chouette. Donc du coup j'ai pas fait grand chose hier. Et voilà, je vous ai mis aussi quelques images je crois de mes journées de travail pour vous donner une petite idée. Je vais vous laisser là-dessus, je vais peut-être essayer de faire quelques succulentes avant d'aller me coucher, histoire de voir si c'est vraiment très long. Et puis bah, je vous reprends plus tard. Voilà à quoi ressemble actuellement la table de mon séjour. Voilà, c'est le bazar. Me revoilà tout échevelé à 13h30 vendredi 30 septembre. Donc 24h plus 3h, donc 27h du début de... Enfin du début, non, pas vraiment le vrai début de la journée de demain, parce que demain on commence à 11h, mais de la cérémonie civile à la mairie en tout cas. Donc voilà, ce matin j'ai fini de préparer les marque-places, il n'y a plus qu'à les mettre sur les petites plantes vertes que je viens de vous montrer. Je vais voir si je peux, enfin ouais, si je peux vous emmener, si je peux vous montrer vite fait, peut-être à 17h tout à l'heure. La première déco de la salle, moi je ne verrai tout avec fleurs, fleuristes et tout, que
que le samedi en arrivant donc pour le vin d'honneur, donc je pourrais pas vous montrer ça. Je découvrirai en même temps que le photographe et que les invités, mais par contre au moins vous montrer bah, les tables et la première mise en place quoi. Voilà, donc bah, écoutez, on est parti pour le marathon, ça commence et ça va être trop trop cool et trop trop chouette. C'est pile au moment où j'allume la caméra que je vois qu'elle clignote en rouge et que bah on va pas pouvoir discuter longtemps. Je vous reprends, je ne sais absolument plus quel était mon dernier morceau de vlog. Je crois que c'était la mise en place des petites étiquettes marque place pour le mariage. Je vous reprends, nous sommes le 5 octobre. Je suis mariée depuis 4 jours, ça y est. Cette grosse étape est passée. C'était, il n'y a pas eu d'imprévu, on a eu une chance incroyablement ouf avec la météo. Tout le monde a pu venir, tout le monde a été tellement, enfin voilà, c'était un gros moment, plein d'émotions, plein d'amour avec tous nos proches, notre famille, nos amis. Et honnêtement, ça remue beaucoup de choses et on est prêt à ouvrir le nouveau chapitre, à démarrer en tout cas la nouvelle partie. Comme vous le voyez, je suis à peu près reposée, j'ai beaucoup dormi ces derniers jours. Et il le faut puisque on part au Pérou dans 7 jours. Voilà, dans 7 jours on prend le train pour Paris et depuis Paris bah, on prend l'avion pour Lima, voilà, donc ça c'est un truc, je suis pas encore prête. Hier on a réservé les trains, on a réservé l'hôtel à l'aéroport, je réalise pas encore. Donc du coup j'ai acheté ceci, c'est la marque Alaskan Maker. J'ai offert, en fait je me suis rendu compte que j'avais pas de sac adapté, j'ai mon vieux Eastpak qui me servait de, vous savez, de sac de cours quand j'étais au collège. Et c'est le seul sac à dos, excepté le sac de mon chat en fait. Et mon tout petit sac, j'ai un tout petit sac qui me sert de sac à main, voilà. Mais rien qui me permette en fait, enfin qui ait plein de poches, qui me permette de voyager et qui soit quand même assez nice. Et j'ai offert à mon mari, pour son anniversaire, un sac Alaskan Maker que j'avais adoré, qui je les trouve très très beau, très pratique, il y a plein de poches, mais pour le coup je voulais pas le même parce qu'il est un peu trop grand pour moi. J'ai hésité entre deux modèles, je vous mettrai l'autre modèle pour lequel j'ai hésité, je vous l'afficherai quelque part. Et tada, en plus ça vient avec une petite pochette et tout, c'est trop chouette. Alors hop hop, tada. Je le trouve trop beau. Voilà. Donc, j'avais le choix entre un modèle comme ça qui fait un peu, vous savez, on voit beaucoup les pubs pour les sacs Cabaya. Donc c'est un peu le même genre, hein. Grosso modo, il y a un petit peu l'aspect carré en haut. Je suis pas archi fan, mais bon, voilà, écoutez. Et quand je l'ouvre, il y a une armature en fait qui le garde ouvert comme ça. Et donc c'est trop pratique pour regarder au fond du sac. Et il fait, il est quand même assez grand, hein. Enfin, en tout cas suffisamment pour mettre une gourde, un livre, un pull, le guide touristique qui va bien. Je pense que c'était ce qu'il me fallait. Et en fait je cherchais un sac qui soit pas juste en mode one shot, juste pour le voyage au Pérou, mais qui puisse bah, me servir dans la vie de tous les jours, donc qui soit un peu joli. Et voilà, et je l'aime beaucoup. Et l'autre version que je voulais, enfin avec laquelle j'hésitais, elle faisait un peu plus un peu moins féminin. Attendez. Chester. Ah.
Chester voulait rentrer. Coucou. Ça va? Voilà. Il va aller jouer dans le carton, je pense. Donc voilà, très contente de ce petit sac pour le Pérou. Et puis, sur le site, quand il montre les couleurs, c'est vachement plus violent. Enfin, donc du coup, le bleu paraît plus bleu, le kaki, tout ça, paraît plus kaki. Et comme sur le site, le kaki et le camel, qui sont des couleurs, enfin le vert du coup, et le camel sont des couleurs sympas, mais un peu ternes déjà, je sais que dans la réalité des faits, ce serait encore plus terne. Chester, t'as des griffoirs pour ça, tu sais? Ouais. Donc voilà, je suis super contente. Ah, il est super joli. Et donc voilà, tous les petits zips là sont en cuir. Ce modèle là en particulier, c'est pas le cas sur les autres, mais ils ont mis un... Je sais pas si vous le voyez à la caméra. Là en fait, autour du zip, c'est... waterproof, voilà, c'est hermétique, enfin hermétique, je sais plus comment on dit, bref. Voilà, et dos renforcé, tout ça, bref, j'ai trop hâte. C'est le dernier élément qui me manquait pour préparer ce week-end ma valise et mon sac. Donc, bon, super contente. Je voulais vous parler aussi d'autres petites choses. Je sais pas du tout combien de temps va durer ce vlog. Je ne sais pas ce que je vais vous montrer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais l'arrêter avant de partir au Pérou, puisque j'essaierai d'en redémarrer un. Pour ça, d'ailleurs, il me reste autre chose à acheter que je n'ai pas. Je vais voir si Mélo en a pour me la prêter. C'est une perche. Parce qu'en fait, je vais pas emmener mon réflexe qui est là avec moi au Pérou. C'est très encombrant et bon, j'ai pas envie de le perdre, de me le faire voler. C'est la partie sécurité, c'est un peu ce qui m'inquiète le plus sur ce voyage. Donc on va y aller le plus neutre possible, avec le moins de trucs qui dépassent, qui débordent, pas de sac à main, pas de trucs. J'ai pris une pochette à mettre autour du cou pour le téléphone, le passeport et tous les trucs un peu importants. Tiens, d'ailleurs, je crois... Ah non, c'est pas dans celui-là qu'il y avait une petite pochette sur le côté, petite pochette secrète. Non, c'était dans le... tant pis. Donc voilà, donc du coup, je pense qu'on va passer ensemble les prochains jours avant mon départ. J'essaierai de monter ce vlog ce week-end, si j'ai le temps. Mais j'ai encore quelques petites choses à vous montrer avant de partir. On va parler lecture, un petit peu quand même. J'ai pas réussi à terminer celui-ci avant le 30 septembre. On va pas se mentir, la semaine dernière c'était un peu le rush. Je suis quand même arrivée à plus de la moitié. Donc il y a peut-être une chance que je le termine avant de partir. J'aimerais bien pour pouvoir amener des livres de poche. Voilà. Mais j'ai reçu, et là un très très grand merci à la maison d'édition aux Forges de Vulcain. Mélo a reçu son exemplaire, puisque c'est comme ça qu'on fait, on prend, enfin en gros on s'en échange un sur deux et comme ça l'autre achète le suivant, et puis ça permet de soutenir la maison, blablabla, et on se le fait dédicacer à chaque fois quand on va sur des salons pour rencontrer les auteurs. Enfin en tout cas c'est comme ça qu'on prévoyait de faire et qu'on a fait jusque là. Et la maison d'édition nous a envoyé deux exemplaires cette fois-ci, donc un très 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 grand merci. Le mien n'est pas dédicacé. Du coup, bah, ça me permettra, ça m'obligera à aller voir les auteurs pour le faire dédicacer. Je ne suis qu'au tout début. Mélo, je crois qu'il lui reste une centaine de pages. Moi, bah, il m'en reste 400. Et si je suis vraiment très performante, mais ça, ça va être... ça me paraît très très ambitieux. L'objectif, c'est de le lire avant dimanche pour pouvoir tourner la vidéo de comparaison avec Mélo avant mon départ et la monter avant mon départ. Non, en fait, dit comme ça, ça paraît complètement fou. Si c'est possible de la tourner avant que je parte, en tout cas, ce serait top. D'ailleurs, en parlant de tournage de vidéo, je ne vous ai toujours pas tourné la dernière vidéo sur mes lectures d'été qui me permettrait de faire le bilan de mon Sweetie Gourmet Challenge. Voilà, donc c'est quelque chose que vous n'avez toujours pas. Mon objectif, c'est de vous le tourner demain midi ou ce soir, je ne sais pas trop, ça dépendra de ma motivation parce que ce soir je vais chez Mélo. Je sais pas si elle voudra que je vlog ou pas. Donc je vous dirai. Donc voilà, l'objectif c'est de tourner cette presse demain, de la monter dans la foulée et de la préparer. Comme ça vous aurez des vidéos, en tout cas quand moi je ne serai pas là, et Mélo a aussi des petites choses à vous montrer et à préparer de son côté. Ma foi, c'était ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Donc bah écoutez, on se retrouve plus tard. Ah si, entre les deux interventions, normalement, je crois que j'ai essayé de prendre des petites vidéos sur mon téléphone cette fois, de la salle vide, et j'ai des photos que m'a envoyé le fleuriste de la salle après qu'il soit passé et avant que les invités arrivent, parce que moi, ça, je l'ai pas vu. J'ai pas découvert la salle vide, puisque je suis arrivée
quand tous les invités étaient là. Bref, ça y est, je pars dans tous les sens. Je vais vous laisser parce qu'il est l'heure de manger. Je vais prendre une pause déjeuner bien méritée et essayer d'avancer dans Mort au jet. J'aimerais bien pouvoir lire une petite centaine de pages ce midi. Ce serait cool, en tout cas dans la journée. Et il faut aussi que je termine le book haul. Il me reste juste les insertions de couverture sur les e-books et les emprunts à mettre. Mais il faut vraiment que je m'en occupe pour pouvoir vous le poster. Bah moi, c'est la vidéo de vendredi, hein, donc bon, c'est pareil. Je pense que j'aurai beaucoup de choses à faire ce soir. Mais voilà, j'essaie de vous tenir au courant et puis de vous reprendre assez rapidement. Hello, je vous reprends, nous sommes dimanche 9 octobre, la fin de la semaine a été un peu chaotique, mais j'ai terminé Mort au jet hier matin, je suis super contente, c'était une très très bonne lecture, et donc je vais chez Mélo aujourd'hui normalement pour tourner la comparaison, et là il est 11h30 et je vais commencer à faire ma valise pour le Pérou. On a trouvé une liste des choses à ne pas oublier. Franchement, c'est là qu'on dit merci Internet. Donc on va suivre cette liste, notamment réimprimer, enfin faire des copies et imprimer tous nos papiers de voyage en plusieurs exemplaires à mettre à plusieurs endroits différents. Les passeports, les assurances, enfin bref, tous ces trucs-là. Et puis... Il y a Chess qui nous fait plein de papouilles et là il a vu la valise et hop là, attendez, je sais pas si vous le voyez. Et voilà, dès qu'il voit une valise c'est pareil, c'est toujours pareil. Ça va bébé? Donc ma foi, voilà, je pense que pour ma part il va me manquer quelques vêtements, notamment des pantalons un peu plus, enfin voilà, des pantalons tissu, matière technique, et un peu plus agréable à porter que du jean ou des jogging. Et donc je pense que nous allons aller faire un petit tour chez Decathlon demain midi. Et puis voilà, je vais essayer de vous filmer un peu la préparation de ma valise. Et puis je travaille encore lundi, mardi, mercredi, mais je pense que pour pouvoir finir le vlog à temps et vous le poster à temps, je vais pas vous filmer le début de semaine. De toute façon, je peux vous le dire tout de suite maintenant, comme ça c'est fait. C'est très bizarre, vous voyez pas le haut de mon crâne, non pas qu'il soit très intéressant, mais c'est pas grave, je vais tenir le trépied le temps de finir la vidéo. Est-ce que je vous ai dit que ce trépied était genre super pratique parfois, mais le reste du temps super chiant? Bref, je disais donc, nous avons notre offre de la banque, celle pour laquelle nous allons signer. Nous signons mercredi. Et donc là, il me reste aussi plein de papiers à faire. Donc préparer le préavis, rejoindre à nouveau les prestataires pour les travaux, joindre le notaire pour lui demander de décaler la date de remise des clés pour qu'on l'ait plus tôt et qu'on puisse faire les travaux avant le déménagement. Voilà, toutes ces petites choses là, donc encore pas mal de trucs à faire avant de partir. Bon bref, sur ce, moi je vais vous laisser là, j'essaierai de vous reprendre peut-être en fin de journée pour vous faire un point sur les livres que je prends dans ma valise bien sûr, et puis je vais essayer de vous filmer quelques petites choses.
me revoilà. Il est 19h. Je n'ai pas été chez Mélo finalement aujourd'hui. On n'a pas pu se voir pour diverses raisons. Donc on ne pourra pas tourner, je pense, notre comparaison de Capitale du Nord avant mon départ. C'est dommage, mais c'est pas grave. Ce sera sûrement une des premières vidéos que vous verrez à notre retour. Mais en tout cas, sachez, comme vous verrez ce vlog avant, que il faut lire cette saga. Voilà, on l'a dit, on l'a re-redit. Moi, de mon côté, je vais prêter mon exemplaire à mon conjoint qui va le lire pendant les congés. Il n'est pas un gros lecteur, mais il a beaucoup aimé, en tout cas Capitale du Sud, qui a sa préférence, mais il lit toute la saga. Donc, c'est vous dire les qualités littéraires de cette saga-là. Je voulais conclure ce vlog sur les livres que j'en ai avec moi pour les vacances. Sachant qu'on est dimanche soir, j'ai L'Épouvanteur à terminer et je vais prendre finalement, après réflexion, je vais emmener ma tablette au cas où on ait des papiers à recevoir ou quoi dans le cadre de la banque et des mails à envoyer, ce sera plus pratique. Et aussi pour faire liseuse, pour lire notamment. Il y a un bébé chat qui vient vous dire salut. On a fait une promenade aujourd'hui, je vous ai mis des photos juste avant. C'était trop bien. Il s'en fout. Pour lire Apostasie de Vincent Tassi que j'ai acheté, il me semble. Non, que j'ai acheté pas du tout, je sais plus, que j'ai eu gratuitement pendant le confinement. Donc, le premier confinement, donc ça remonte maintenant. Et c'est tout pile poil dans le thème du challenge SFFF. Dans le challenge SFFF, il y a aussi la recommandation du livre de M de Peng Shepherd que j'avais acheté grâce au conseil de. Ça doit être Cornelius, je crois, et Pictibookine, qui avait dit que c'était absolument excellent. C'est quand même une grosse bricasse, et en plus, c'est pas en poche. Donc ça me fait un peu mal de l'emmener avec moi. J'espère le lire et le terminer. Maintenant, on a beaucoup, beaucoup de moments où on a beaucoup de transport. Ne serait-ce que les 12 heures d'avion x2. Donc 24 heures d'avion, plus les vols en intérieur, plus des bus, voilà, donc... En fait, entre les moments assez intenses où ça va être pas mal de rando, de trek, de visites urbaines, il va y avoir aussi beaucoup de passages un peu à vide. Alors j'imagine qu'on en profitera pour se reposer, c'est quand même l'objectif. Mais j'espère aussi pouvoir lire ce roman. On m'a dit que ça se dévorait, donc il faut que j'arrête d'avoir peur des grosses briques. J'ai déjà eu la preuve avec, mine de rien, The City of Breath, pas numérique, zut, Vita Nostra et Soroland qui étaient quand même des livres de plus de 500 pages et que j'ai dévoré littéralement. Et donc si j'arrive à terminer cela, enfin celui-ci et Apostasie, j'ai prévu deux petites lectures poches toutes légères qui prennent pas beaucoup de place. Donc l'Odyssée de Pénélope de Margaret Atwood qui est une réécriture du mythe de Pénélope par Margaret Atwood, c'est évident. Et En attendant Beau Jungle ou Beau Jungles, je sais jamais, dont j'ai toujours entendu énormément de bien. C'est le livre préféré d'une de mes meilleures amies après Oscar et la Dame en Rose, qu'elle m'avait fait découvrir également. Et puis voilà, je crois qu'il y a une BD qui est sortie. En ce qui concerne mes lectures e-book, je ne me suis pas encore décidée. Je pense que je vais jeter un coup d'œil dans mon carnet pile à lire et je vais remplir ma tablette en fonction de ça. Et ma foi, c'était ce que j'avais à vous dire pour terminer ce vlog. Donc ça y est, on est au bout. Merci, merci, merci beaucoup de m'avoir suivi jusque là. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Je vous attends en commentaire. Merci d'ailleurs pour vos réactions sous mes deux derniers vlogs. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir et forcément bah, ça me donne envie de continuer. Donc là en plus on va être un peu pris dans les tourbillons. Je suis très contente d'avoir réussi à vlogger pendant ce mois de septembre parce que vous l'avez vu, compris, c'était un peu la course. Et j'espère pouvoir faire un beau vlog voyage du Pérou. Donc bon voilà, on va voir ça, on va voir ce qu'il est possible de faire en tout cas. Donc en attendant nos prochaines aventures, en attendant nos prochaines vidéos, je vous souhaite à toutes et à tous de très 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 belles lectures, un très bel automne, et puis on se dit à tout bientôt.